Salut Riyad. Salut, c'est Riyad Boudegouz, on passe la journée ensemble. Matin, j'aime pas trop manger quand j'ai entraînement, tu vois. Mais après, je me sens lourd. Je sais que les fruits, ça va rien faire. Il y a un pédale, le chrome. Ça va? C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il est pas normal. Regarde mon frère, il est là. Bonjour mon frère, ça va bien. La famille, ça se passe bien. Au calme. Écoute ce son. Donc là, on est à côté du centre d'entraînement. Ouais, regarde là, ça se tape, à droite. Ça va le voir. Regarde, l'entraînement, il a la porte ouverte, il y a du monde déjà. Aujourd'hui, Riyad, on va muscler un peu le corps, jouer au ballon et attaquer. En France, tu nettoies tes crampons et tout. Ouais. Mais ici, il s'occupe de tout. Le mec, tu lui dis tu veux quel crampon, il te les ramène pour l'entraînement, il te les lave, il te... C'est tout, tu vois, c'est encore une organisation au-dessus. Tu vois, par exemple, il y a 4 préparateurs physiques. Ouais. Bien, je vais te faire des... Physiquement, depuis ta blessure, là, tu te sens comment, à 100% ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, il doit être à 60%. Il doit être à 60, je pense. Surtout qu'ici, je suis arrivé blessé. J'ai repris trop tôt. Je me suis mis une balle dans le pied un peu tout seul. Parce que voilà, le public, tu connais, j'avais envie de reprendre et tout. J'ai fait le idiot, on va dire. Avec le ballon, il fait des choses exceptionnelles, comme Isco. Il est très bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Bah, beaucoup de temps de jeu, plus de blessures, parce que mon genou m'a beaucoup embêté et j'espère revenir à mon meilleur niveau comme j'ai pu l'être l'année dernière à Montpellier. Et merci à vous d'être passé. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bon, adios téléfoot. Hasta pronto, comme on dit ici. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine.